Bonjour, c'est l'heure de votre émission de radio étudiante. Vous êtes sur les ondes de Radio Coursol FM. Ici Imane qui vous souhaite la bienvenue. Sans plus tarder, je vous laisse avec vos animateurs. Jennifer et Donna, quel est votre sujet? Bonjour, je suis Jennifer et voici ma coéquipière Donna. Nous allons vous parler des nouvelles de Coursol. Premièrement, aujourd'hui était la date limite pour décorer votre porte de classe. Bravo pour votre créativité! Il y aura 3 classes gagnantes qui seront dévoilées demain, le jeudi 22 décembre. Elles recevront chacune un prix. Bonne réussite! Demain aura lieu le concert de Noël préparé par les maternelles, première, deuxième, troisième, 856 et quatrième année en avant-midi. Ils ont travaillé très fort pour se rendre jusqu'ici, alors soyez tous présents et attentifs. Nous remercions ainsi M. Michel d'avoir organisé ce beau concert que nous attendons depuis longtemps. On a très hâte de vous écouter. Nous vous encourageons au max. Aussi, demain après-midi, M. Daniel animera, comme à chaque année, le bingo de Noël sur l'interphone. Lorsqu'il y aura un gagnant ou une gagnante, il ou elle devra se présenter au secrétariat pour choisir son prix. Bonne chance! Finalement, nous vous conseillons de vérifier dans les objets perdus si un article vous appartient. Les objets trouvés dans les bacs le 23 décembre seront envoyés aux organismes d'entraide. Soyez avisés! À toi, Imane! Merci beaucoup, les filles, de nous avoir informées sur la nouvelle de Coursol. Et nous remercions aussi M. Michel de nous avoir préparé ce beau concert de Noël. Continuons avec Mehdi. Je pense que tu as un sujet très intéressant à nous présenter. Bonjour, je m'appelle Mehdi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de YouTube. C'est un site web très connu. YouTube est un site web d'hébergement de vidéos sur lesquelles les utilisateurs peuvent envoyer, évaluer, regarder, commenter et partager des vidéos. YouTube a été créé le 14 février 2005 à San Mateo, Californie, aux États-Unis. Ses fondateurs sont Chad Gurley, Steve Chen et Jawed Karim. Son propriétaire est Alphabet. Son PDG, président-directeur général, est Suzanne Wojcik. Pour finir, je vais vous dire la première vidéo diffusée sur YouTube. Elle se nomme Me at the Zoo. Elle a été créée le 23 avril 2005 et elle a duré 19 secondes. Avant de partir, je vais vous dire la vidéo qui a eu le plus de visionnement. Et c'est Roulement de tambour. Et c'est Gangnam Style de Psy qui a environ 3 milliards de visionnements. Merci de m'avoir écouté. À toi, Iman. Merci beaucoup, Mehdi. C'était très intéressant de savoir comment YouTube a été créé. Maintenant, je laisse la parole à Samantha car je pense qu'elle a de bonnes idées à nous proposer. En effet, bonjour, je suis Samantha en direct de la radio étudiante. Je vais vous donner plein d'idées de cadeaux pour Noël. Pour les plus petits, les jeux de Pat Patrouille sont très populaires. Pour les plus grands, les Lego Friends ou juste des Lego seraient une bonne idée. Ensuite, si vous êtes des mordus de lecture, Emma Verde, l'ABC des filles, Dani Dinon, Retour à la montagne, L'île au trésor, Loup et Avant la rencontre seraient de très bons livres pour vous. Bonne lecture. Des jeux de société en famille. Cherche et trouve, Monopoly, Québécopoly, La Totale, Opération, Trouble, Échec et Connect Four sont de très bonnes façons de passer du temps en famille. Pour finir, le jeu de cartes Uno, qui s'achète en format mini ou normal, est un très bon jeu pour toute la famille. Joyeux Noël et bonne année. À toi, Iman. Merci, Samantha. C'est toujours intéressant des idées de cadeaux et n'hésitez pas à en offrir à vos parents et à votre famille. Maintenant, voici Iba et son ami qui vont vous présenter la chanson et la chanteuse ou chanteur le plus populaire des plus grands. Bonjour, Iba et moi allons vous présenter le top 5 des meilleures chansons et groupes de musique selon les élèves de 4e, 5e et 6e année de Coursol. En premier, la chanson Jujan David est très populaire. 11% des élèves l'ont choisie. Ensuite, Pen Apple Pen est très appréciée et 5% des élèves l'aiment. Finalement, la dernière chanson est Satisfied et 5% des élèves l'apprécient. Ensuite, le groupe Maroon 5 est assez populaire. Son pourcentage est de 3%. Pour finir, la chanteuse Ariana Grande est la plus appréciée de l'école. 7% des élèves sont fans. Les pourcentages sont très bas car il y a eu des résultats très diversifiés. À toi, Iman!
Merci les filles. Maintenant, nous savons que la chanson la plus populaire est de Juan Abi et la chanteuse la plus populaire est Ariana Grande. Passons à Kellyanne. Pourrais-tu nous parler des bons coups? Bonjour, je m'appelle Kellyanne et aujourd'hui, je vais vous parler des bons coups. Premièrement, Madame Sylvie voudrait féliciter dans le groupe 401 Ellie et Ryan car ils lisent de mieux en mieux. Maintenant, dans le groupe 501, Madame Louise félicite deux élèves qui sont prêtes très rapidement. C'est Vilada et Héloïse. Quatrièmement, dans le groupe 602, Madame Louise Hélène félicite Francis et Carmel car ils aident les autres élèves. Finalement, dans le groupe 856, Madame Frédéric félicite tout son groupe pour leur persévérance. Sans oublier la classe 601, Madame Caroline félicite Tia, Larissa, Océane, Tara, Vianney et Nisrine pour leur bénévolat pour organiser la soirée cinéma. Dans le groupe 409, Yannis, et dans le groupe 509, Donna. Ainsi, bravo à M. Marcus pour rendre l'école propre. À toi, Yann. Bravo aux élèves nommés. Et la radio étudiante félicite les filles qui ont fait le bénévolat pour la soirée cinéma. C'était très apprécié. Maintenant, Miguel, pourrais-tu nous informer de la météo? Bonjour, je m'appelle Monsieur Météo et la météo pour aujourd'hui, mercredi, il fera 1 degré avec un beau soleil. Jeudi, il fera moins 1 degré et pour finir la semaine, le vendredi, il fera 1 degré. Pour la veille de Noël, il fera beau. Le samedi, le 24, il y aura de la faible neige avec 3 beaux degrés et dimanche, le 25 décembre, jour de Noël, ça sera ensoleillé avec moins 2 degrés. C'est confirmé, nous aurons un Noël blanc. C'est Monsieur Météo à toi, Emel. Merci, Miguel, et n'hésitez pas à prendre de l'air et à jouer dehors, c'est toujours amusant. Maintenant, je laisse la parole à Naomi. Quel est ton sujet? Bonjour, je m'appelle Naomi. Savez-vous qu'il a des activités parascolaires à l'école Coursol? Eh oui, aujourd'hui je vais vous parler de la Renfrale. C'est une compagnie qui fait des activités parascolaires. Les choix d'activités pour l'année 2017 sont le Lego, la magie ou la science en faille. Ça débutera le 6 février 2017 et les inscriptions vont commencer du 6 au 11 janvier. Merci, Naomi de la radio étudiante. À toi, Imam. Merci Naomi et j'espère que vous allez participer au maximum d'activités que l'école organise. Et maintenant, nous vous présentons le groupe des Étoiles de Coursol, notre groupe de chanteuses constitué de Brittany, Nour et Janie, qui vont nous chanter la chanson « La vie en rose ». Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je ne connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur. Bravo à vous les étoiles de Coursol, quelle belle interprétation de La vie en rose. Finissons, votez avec le groupe de Madame Vanessa qui va nous chanter la chanson Une fleur m'a dit. Je leur laisse la parole. J'ai trouvé dans la nuit une fleur. Sur la neige endormie et je l'ai.
Bientôt disponible sur le site de l'école. Notre prochaine émission aura lieu le 20 janvier 2017. C'était l'équipe de la radio étudiante en direct de Radio Courseul FM! Non, là-bas.